Et salut les amis, c'est Fifou, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de nos aventures dans Blasphemous. Dans la dernière vidéo, on a buté pas mal de temps sur le boss là. Oh là 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 là. Alors lui, il m'a fait arracher quelques petits cheveux. Ou plutôt quelques bols de barbe. Mais ouais, il était quand même pas facile. Du coup, on va continuer à visiter donc cette nouvelle zone qu'on a justement déverrouillée en battant les trois boss. Fils ! What ? Mais... Tu me laisses respirer, s'il te plaît ? Attends, je l'ai contré, ce bâtard. Ouais, je le sens pas, ça. Il va me sauter dessus. Chez. Et ben voilà. Alors, je vous avoue, je suis pas fier de la manière dans laquelle je l'ai battu, mais... Ta race. Qu'est-ce qu'il est chiant ? Moi, j'ai... Là, ça va s'effondrer, c'est sûr. Putain. La fibule de Risp. Le rôdeur. Ok, c'est un objet de collection. J'ai vu que là, il y en avait un autre. Non ? Ah, si. C'est bon, on commence à maîtriser. J'en entends un autre. Ouais, il me faut le truc là pour me balancer là. Je sais pas où est-ce que je vais le récupérer ce machin. Putain. Oh! Il a quand même réussi à m'avoir, hein. Putain, j'ai plus de fiole. Déjà. aucun honneur à le battre comme ça. Mais il y a mon balèque. Oh merde, putain, je me suis quand même fait toucher. Ah, c'est pas vrai. Ah, Fifou mauvais, là, sur cette partie. Et c'est bon, quoi. Là, j'ai obtenu des graines d'olive. Objet de quête. Une poignée de graines d'olive soigneusement conservées. Les noyaux d'olive furent écrasés en un onguent gras qui a sa place dans toutes les sacoches de guérisseurs. Pendant l'une des nuits
Pendant l'une des nuits où le jeune homme agonisait au milieu de ces terribles tremblements fébriles, tandis que les blessures qui affligeaient son corps continuaient de s'étendre, je m'approchais de lui, si catastrophé que je le pris dans mes bras. En larmes, je déposais un baiser sur son front. Alors que je sentais l'ardeur de son front contre mes lèvres, je remarquais que le jeune homme ouvrait les yeux et me regardait, son agonie apparemment levée. Ouais, bah ça peut être cool. La prochaine fois que j'ai de la fièvre et tout ça, je l'appellerai. On fera un bisou sur le front. Alors là, ça va s'effondrer. Voilà. Je peux aller par où? À gauche, il n'y a rien. Ah, mais je crois qu'il y a... Ouais, il y a une plateforme. Ouais, mais je peux pas l'atteindre. Donc j'ai pas le choix que d'aller par là. Mais je vais descendre tranquillou. Ok. Lui, je vais essayer de l'avoir. Bam! Mais... Voilà! 15 sur 38. Heureusement que j'ai pas sauté, il y avait des pics. Je savais que le jeu, il allait tenter de me tuer... C'est quoi ça? Oh, oh les dégâts! J'avais pas capté! What? C'est pas vrai. Oh. Oh, c'est pas vrai. Faut que je traverse tout à nouveau. Oh, c'est pas vrai! Mais il a réussi à m'avoir! Mais c'est pas vrai! Putain! Oh là! Lâche-moi! Je vous ai tous battus une fois, ça suffit! Ah non mais... Eh merde, je suis coincé. Vas-y! J'ai déjà consommé la moitié de mes fioles. Donc là, il faut que je descende tranquillou. Comme la dernière fois. Voilà, éviter de se planter une deuxième fois. Et j'imagine après que cet ennemi, il doit rapporter pas mal d'XP et tout ça. Ah ouais, c'est puissant ça. Oui, 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 oui! Allez, on continue notre aventure. Mothers of the Mothers, la mère des mères. Il est de retour lui là? C'est pas du jeu parce que normalement... Je devrais le massacrer très rapidement lui. Oh, l'ambiance. Ah.
Allez, on arrive bientôt au 10K. C'est pas mal. Le truc, c'est que là, il n'y a aucun moyen que je... Ah ouais, ouais, il y a une échelle là que je peux débloquer. Très bien. Ça me rassure. Le nœud des trois mots. The knot of the three words. Here is where the first miracle took place. One devout and tormented youngster asked the high will for punishment. He placed a wooden log where he sat and prayed. He prayed hoping to be heard. He prayed for pain, so he could ease the guilt that sharply pierced his soul. Then, the miracle manifested itself. It made roots grow and twist over his arms and legs. But not a cry nor a complaint came out from his mouth. Every inhabitant of this land bore witness to it, and all of them prayed before the besought eternal joy of that youngster. This triune tree that sprouted years after his death was named the Knot of the Three Words, for three are its twisted trunks. And three were the words spoken by that youngster before he died. My great guilt. Every year from its core flows a golden burning liquid, perpetuating his memory and perhaps to remind us that the first miracle has not abandoned us. For twisted are, were, and will be, the paths of the miracle. Intéressante ton histoire, mon ami. The knot of the three he placed, he prayed, it made every this for twist. Ce long couloir n'augure rien de bon. Non, mais c'est bon. Je pensais qu'il allait y avoir un boss. J'ai pas compris. Ça, ça me touche, ce machin ? Allez ! Nous voici donc dans une nouvelle zone. Yes! Allez, oui, oui, oui. Ça serait bien aussi un petit peu de vie. Peut-être que j'en demande trop. La bibliothèque des mots niés. Je les entends lire et marmonne les écrits interdits. C'est un murmure constant dont les échos, une fois insinués dans mon esprit, refusent d'en sortir. Je sais que ma curiosité finira par me tuer, si ma folie n'y suffit pas. En dirais-moi avec ma curiosité. C'est quoi ces fantômes? Hein? Je peux pas les toucher? Je sais pas ce qu'ils me font s'ils me touchent, hein. En haut, il y a un gars. C'est quoi? C'est lui qui invoque des fantômes? C'est quoi cette tête? Merde.
Ah oui, je peux les rappeler. Ah, dégage là avec tes têtes là. Ouh. Est-ce que là il y avait un truc au milieu? Non, apparemment pas. Après, j'aime pas trop torcher une pièce. Non, c'est bon. Gentil ça. Quand le jeu il est gentil, c'est que généralement derrière ça pue. Putain, j'en étais sûr. C'est quoi ça? On peut lui parler. Ok. The sound does not cease. It creeps on these forgotten walls, and no one can determine its origin or its obscure destiny. For the love of the High Wills, silence it, for I have long yearned for it. T'inquiète, poteau, je vais le faire taire. Oh le bordel. Je sens que quand je vais descendre... Voilà. Putain! Il me saoule l'autre avec ses vieilles têtes là. Le sacrum du sorcier noir. Elles arrêtent pas. Oh, c'est... oh non. Let's go, 16/38. Le truc labyrinthe. Waouh. Ah, c'est vrai qu'il faut que je trouve le meilleur marchand de journaux là. Pour acheter des nouvelles compétences. C'est vrai que c'est lui en fait qui m'en donne. Ah mais j'ai rien. Voilà, j'ai pas de culpabilité moi. Tu m'as pris pour qui ? Putain! Saleté! L'enfoiré. Surtout tranquille, hein.
continuer à massacrer, hein. Oh. Je plaisantais, je voulais... Je voulais pas que vous continuiez à me massacrer. Moi, je suis gentil à la base. Alors, c'est quoi ce bordel? Ok, là, les fantômes, ils ont pas l'air vraiment intéressés par moi. Putain, j'ai quand même réussi à me faire toucher une fois, hein. Let's go. Putain. Non. Il y a un truc, il y a une plateforme qui est arrivée de l'autre côté. Non, faut que je recommence tout. C'est l'autre là, avec son bouquin. Il m'a fait stress. Oh, salaud. What? Oh, mais... Putain. Là, je fais comment? Je fais comment pour reset la salle, là? Ah, attendez. Je me fais avoir tellement bêtement que ça me fait marrer limite. J'ai plus de fiole de vie. Oh non! Putain. Oh non, c'est ces esprits-là, je les aime pas. J'ai pas le truc de façon pour aller de l'autre côté. Pourquoi il y a une plateforme ici? Bon, la sauvegarde elle est pas très 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 loin. Le problème c'est... Oh non! Il y en a deux! Wow! Ah putain... Récupérer de la santé pour 650, vas-y. Là pour moi, là c'est un second souffle. Hein. Wow! Putain! C'est bon! Je l'avais oublié celui-là. Yes! Allez, un peu plus de santé. Putain, je suis tellement content quand je tombe sur des salles comme ça. Waouh. Des salles qui t'augmentent la magie, des trucs comme ça, c'est le kiff.
Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ok. Eux, ils sont tranquilles. Ils font leur petite vie. Putain. Il y a trop de trucs. Il y a trop d'endroits où aller. Où est-ce qu'il est maintenant? Mais pourquoi ça traverse les plateformes là? C'est pas juste! M'en fous, appelez-moi Calimero comme vous voulez, c'est pas juste! Ça devrait pas traverser les plateformes! Alors est-ce qu'il y a moyen d'avoir cet objet qui est là tout à gauche? Oui! En allant par là. Une goutte d'encre coagulée. Perle de rosaire, ça c'est fait quoi? Cette masse d'encre teintée par l'affliction augmente la puissance des prières. Avant de me jeter là sur ça. Ok. Ça, j'en récupère pas mal là. Oh. Putain, ce que ça fait plaisir. Précepte mineur. Ok, en fait, c'est toujours la même zone, hein. What? Ah, cette attaque, elle est magnifique. Elle fait tellement de dégâts. L'étoile assoupie. Non, non, c'est en fait, c'est une nouvelle zone. Ok. Là, on est sur une nouvelle zone. Juste par curiosité, je vais voir ce qu'il y a par là. Ouais, ouais, ouais. Le truc, c'est que j'ai pas fini l'exploration de la bibliothèque. Et eux, je sais même pas s'ils me font vraiment des dégâts. Non! Mais... Oh, ils sont vraiment de retour, ces saletés. Laisse-moi tranquille. Surtout que je lui ai rien fait, quoi. Nya! Voilà, j'en étais resté ici. Hop, du coup, ça fait quoi, ça?
C'est quoi ça? Putain, maintenant il me balance des nouveaux trucs, l'autre. Oh, je peux même pas l'avoir. Saleté. Il y a un truc en plus à... What? Ma vie? Where is my life? Ok, le truc c'est que là... Ça me permet d'aller où? Ouais, non, mais c'est... N'importe quoi. Ok, ça je peux récupérer. Vous avez la phalange d'Aral Karim. Ok. Qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Hein? Pourquoi je peux pas lui parler? Waouh. Les portes me trompent, elles ne veulent pas que je parte. Les murs sont les seuls qui disent la vérité. La sortie de ce lieu se trouve dans les murs. Ouais. La sortie de ce lieu, il parle d'ici ou du niveau en général? Parce que ouais, voilà, je pense qu'il parle du niveau en général, hein. I, Diosdado by name, night watchman by trade, am at thy mercy. You have my gratitude for quelling such an unbearable sound. Ah, c'était ce bruit-là qui l'obsédait. We are in the library of denied woods, for the pages that lie within these dusty tomes are forbidden and forever shall be. All that accompanies me here are these ponderous keys and the wandering souls that, even after death, still hunger for knowledge. J'ai acquis la roue du jeune maçon. Ok, l'amulette contient le désir de liberté de ce pauvre garçon et augmente la vitesse de déplacement de qui la porte. Ah, ça c'est ouf. Malheureusement, j'ai ça. C'est quoi le truc bleu? Lorsqu'on détruit des objets alentours, ok. Ça augmente les défenses. Autant dire que ça, je vais les garder. Ah, fait chier. Il faudrait que j'augmente, c'est le nombre d'emplacements. Ça pourrait être sympa d'aller un petit peu plus vite dans le jeu. Ça me permettra de mourir plus vite aussi. Bah là, du coup, il reste ici un truc. Et là en bas aussi. Ah ouais, non, mais en fait, il me reste encore pas mal de trucs à voir. Ah, la bibliothèque maudite. Ouais, du coup, j'étais pas allé ici. Un livre d'anatomie ouvert sur l'illustration d'un fémur. Un livre d'anatomie ouvert sur l'illustration d'un tibia. Ouvert sur l'illustration d'une rotule. Oui. C'était quoi? Le premier, c'était fémur? Ouais, fémur, tibia, rotule. Ok. Si tu veux.
Arrête avec tes vieux ya. Tu ne mourras plus. Par contre, les fantômes qui sont là, oui, ils peuvent m'avoir. Allez. Oh putain, je suis obligé de passer par là. Oh, c'est pas vrai, lâchez-moi. J'ai vu un autre fantôme là. Ah, c'est vrai que je peux pas y aller. Non, du coup, il me reste un truc là tout à droite. Oh là 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 là. Je suis pas allé à gauche, non, parce qu'il y a un grillage. Donc c'est fermé. Logique. Peut-être qu'il y a un moyen de passer par là, mais je sais pas comment. Ok. Bon, ça tombe bien parce que je finirai par une petite sauvegarde ici. Salaud! L'autre, pas de pitié, hein. il était à 2 cm de moi, il m'a balancé son bouquin là. Waouh. Elle est quand même bien puissante l'attaque que j'envoie. Hein. Merde. Oh, j'avais oublié à quel point c'est l'enfer. Wow, il a failli m'avoir en plus. C'est bon. Non, la sauvegarde, elle est pas là. Allez, après cette pièce. Non, en plus, il y a les vieilles têtes, là. Vite, 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 vite. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh, le petit stress. Je sais que les lieux sont traîtres, ne t'inquiète pas. Je crois que j'ai déjà deviné. Ok, donc il est temps de retourner sur nos pas. Oh mais putain, tu te fous de ma gueule. Et regardez la vie que ça me retire, hein, n'empêche. Hein. C'est violent, hein. Est-ce que je peux le parer? Ouais, je peux le parer. Tac, donc il faut que j'aille là. Merci pour le raccourci. C'est exactement là où je voulais aller. Alors, c'était... Ah bah ouais, c'était ici. Dis-moi qu'il y a un truc intéressant. Oh! Il y a un portail. Merci beaucoup. Tu veux que j'y sois quoi d'autre? Merde. Oh, vous savez quoi, je vais me TP ici. Tac. Merde. Du coup, je sais pas comment ça s'appelle.
Je vais me TP à Songe de Pitié. Faubourg, un truc du genre. Songe de Pitié. Voilà, c'est ici. Non, mais... Sinon, vous pouvez attendre un petit peu, s'il vous plaît. Ah ouais, d'accord. Ouais, mais... Tu veux que je débloque comment, là? Ah ouais, donc cette zone-là, je sais pas du tout comment y aller. Hein. Allez, 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 allez. Eh, vous avez disparu! Alors, c'est pas ici, c'est juste avant. Il y a possibilité aussi d'aller ailleurs. Donc là, j'ai fait cette pièce. Ok. C'est ici que je suis pas allé, hein. What? Il m'a enchaîné l'autre. Eux, ça va, ils sont plutôt simples. Vas-y, viens. Viens. Ok. J'imagine que c'est une nouvelle zone ici aussi. La mer des mers, des mers, des mers. Non, c'est... Non, non, c'est la continuité d'ici. Ok. Oh, bordel. Non! Allez, au revoir la vieille cloche. Ok, donc là ça va être un parcours, petit parcours labyrinthique encore une fois, on est habitué avec ce jeu. Hein. Merde! Fatality. Hey! Putain! Ah ouais, plein le cul, c'est bon. Lâchez-moi 2 secondes. L'avoir d'ici. Ah ouais. Ah là je les kill en mode petit kiki, mais bon, moi je me fais pas toucher. Nickel. Qui a dit que le jeu était compliqué? Ouais. Oh putain, j'ai rien. Récupérer de la santé contre 650, ouais, vas-y. Je suis pas à ça près de toute façon là. Je dis ça quand je pense que quand je vais voir les prochains prix là du marchand, je vais halluciner. Je t'ai contré.
Qu'est-ce qu'on a de beau? L'améthyste consacrée. Cette améthyste provient du plus grand de ses encensoirs et sa bénédiction protège son porteur contre les attaques magiques. Ça. Putain, je me suis quand même fait toucher une fois par ces trucs. Par ces lanternes furieuses là. Ah. Vas-y. Hop. Ah, je peux pas descendre ici. Non. Et là, qu'est-ce qu'on a de beau? La trapézoïde de Yager, le joaillier. Voilà. C'est exactement tout ce que je voulais pas faire parce que maintenant je dois me retaper tout le chemin. Et bon, vu que je me suis occupé des ennemis, ça va. Maintenant, le truc, c'est qu'il faut pas que je me fasse avoir par les lanternes. J'ai failli me faire avoir. J'ai vu l'échelle là. Il faut que je débloque ce machin. Et là aussi, il y a une sortie. Parfait. Vas-y, viens. Pauvre cloche. Mais il allait où? Je l'ai eu? Yes. Voilà. Eh merde. Putain, le couloir de la mort, quoi. Le couloir de la cloche sacrée. Merde! Ah là, il est content. Hein. Il m'a touché, saleté. Chose que n'a pas réussi à faire ses potes. Oh, le couloir de la muerte. Wapaparapam. Ah, est-ce que je descends? Ouais. Je descends, je débloque ça. Là, je débloque un raccourci. C'est nickel. La sauvegarde, elle est juste dans la salle à gauche qui est là. Pas la sauvegarde. Je dis toujours la sauvegarde, c'est pas du tout une sauvegarde. Lorsque je passe près de la chapelle de la perpétuelle agonie, je ne me résous jamais à entrer. Elle crie encore de douleur comme au premier jour où j'y ai apporté. Un miracle vivant, disait-on. Le miracle a exaucé son vœu et à présent, nous la prions en observant son épreuve incessante. Ok, ah, ça... j'étais là. T'es sérieux là? Oui, oui, c'est bon. Oh, mais arrêtez! Allez, tu me le massacres bien fait. Bien, vite fait, bien fait. Merde!
Et là, il a pas fait l'attaque après la glissade. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Des fois, ça fonctionne, des fois, ça fonctionne pas. Ah, il est si content, là, on avance bien. Ok, donc là, il faut absolument pas que je tombe. Là, j'ai eu très très peur. Je vous avoue que... j'étais pas bien. Eh merde. Ah, ce vieux clang dans la gueule. Je me suis dit, bon... Ouh. Allez, nouveau raccourci. Ça, c'est juste chiant. Pourquoi je peux pas les taper, ces machins-là? Putain, là, j'étais pas loin. J'étais pas loin de tomber. Et pas la chemise, hein. Ah! Un os iliac de June la prostituée. Ok. Lui va se réveiller, c'est ça? C'est clair qu'il allait se réveiller. J'essaie de voir s'il y a d'autres secrets. Non, t'arrives pas à m'avoir. Dégage de là. Non, toujours pas. Ça sert à rien, te retourne pas, hein, t'y arriveras pas. Saleté. Il se fout vraiment de ma gueule. Hein. Des fois, le jeu, j'ai vraiment l'impression qu'il se fout de ma gueule. J'ai pas besoin de ça, moi. Où est-ce que je me retrouve? Ok. Je pense qu'on a quand même bien avancé. On a fait quand même pas mal de petites zones très sympas, pas trop de fails. Du coup, ça me fait plaisir. Il reste encore pas mal de choses à visiter, surtout dans ce coin-là, à droite. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le petit like, l'abonnement. Et on se retrouve très très vite pour la suite de nos aventures dans Blasphemous. Allez, bye!